Oh, Congo les panda. Congo les panda. C'est un panambouka Congo. Jimmy a choqué. Azuli kanisi ya malamu puna kosepelisa Banambuka Congo. Congo lipanda. Asali libango. Congo lipanda. Et bien voilà, bonjour mesdames et messieurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Encore une fois, c'est Annette Chutuka, votre humble servante, mesdames et messieurs. C'est avec un grand, un immense plaisir que moi, Annette Chutuka, j'aime communiquer avec vous à travers ce micro et cette caméra. Je tiens avant tout à remercier mon boss Jimmy Achoki. Grand merci à tous nos abonnés de Congo Lipanda. Grand merci surtout à celui qui est derrière la caméra, Lionel Pro. C'est lui qui fait en sorte que vous puissiez nous recevoir chez vous. Grand merci à celui qu'on appelle Bijou Beleza, patron suisse. Hein. Grand merci à toi, Bijou Beleza, patron suisse. Mesdames et messieurs, je vous signale que sur ce plateau, je ne suis pas seule. Je suis avec celui qu'on appelle Roger Ngandou. Il est là avec moi sur ce plateau. C'est avec lui que nous allons dérouler cette émission, à qui j'ai dit déjà bonjour Roger Ngandou. Bonjour Anne. En tout cas, Roger Ngandou, Pesambo, Tinabafanion, Soya, BCBG, Batunion, Sobalina Kayo et toutes les personnes au Bazolandabi sont en ce net moment. Vraiment bonne année, salutations à tous les internautes au Bazolandabi, Sonamini Toyo, surtout Naba Extremis, il y a bonne musique, il y a Papa Chéri, je vous aime. Voilà, merci beaucoup Roger Ngandou, Ngene na yambio lelo, c'est parce que ça na demande ya batu. Baza qui vraiment, baza vraiment curieux oyé ba et lo koni nessaye que cancer ya Turquie est à l'annuler. Ah oui, d'abord ton singa au nom de Papa Chéri na groupe na Mobimba. Sorry, sorry, sorry na ba fan news tout parce qu'il faut se le dire, c'était vraiment un événement. Ba fanatique ya Papa Chéri tout baza éparpillé à travers le monde. Bah, qui est à Istanbul, donc bah, aux États-Unis, la France, la Belgique, l'Afrique du Sud, Kinshasa, etc. Rien que pour battre la Papa Chéri en live parce que la musique n'a ils ont vraiment commencé. Il n'y avait plus les hôtels, donc Istanbul est vraiment en ébullition. Les Aïk menaient événement et toujours remercier le producteur d'avoir pensé à nous. Mais malheureusement, la condition n'est pas. Pour que mon artiste puisse prester en Turquie, et ça qui est réuni. Étant un artiste professionnel, il y a risque qu'on a trop. Que beaucoup mis dans le lieu, il y a concert, ça les alaïs ont bouqué, les alaïs qui payent, publicité, les alaïs qui sont à la hauteur, logement, il y a des musiciens, il y a des foutamate, billard retour, boulot. Il y a un moment que chaque fois que tu as un coup, tu as un contre-temps, on a. Et c'est un papa chéri bin Adam Motopamba, étant un père de famille, a aussi banané abandonné, tende ba groupe nous sommes sala kabo débrouillé pour bozonga, abimisa toujours carte gold, au monier m'ta couvra ba frewana. Donc ba frewana, donc ça devient compliqué. Y a un vraiment comment boy street quoi. Donc ma condition tout, il faut à la réunir pour déplacer groupe naïe, to beti to zongipe en bonne forme. Et cette fois-ci malheureusement, quel que soit oui, les déplacements, il y a ma fan, biso peut viser ça nango, babia aller zala ki nango, mais sur place ma condition zala ki réunité, Papa Chéri ne pouvait pas faire déplacer son groupe pour les beaux yeux des gens. Okay. Après comme la biso galère donc toi ça va ma fan wana toi ça na producteur de viser ça en cours. À courir qu'on fixe date moro ultérieure à remplir ma condition tout voulu et puis on viendra jouer parce que c'est notre souci quoi. Et Roger Ngandou, vu que vous posez les lots à Anangaï, pour la fille de Ferrigola, Davina, a voyagé dans le contrat à Papa Chéri en Turquie. La fille de Ferrigola? Oui, Davina Gola. A voyagé dans le contrat à Papa Chéri? Ça, je ne sais pas. Naïbité, tu m'apprends. Je ne suis pas au courant, je n'ai pas ces données-là. Je ne peux pas commenter Babilou qu'on a évité. Vous voyagez dans le contrat Papa Chéri, c'est-à-dire quoi?
Mais ça arrive, non? Vous avez des journalistes, en fait, voyager dans compte qu'il y a un groupe et tout. Ouais. Et il y a une rumeur qui va être sur qui est. Et on m'a demandé, pourquoi on a rien à Roger Nandouaza, porte-parole, il y a Papa Chéria, mais quand vous pouvez éclaircir, Bisso Poinwana, si réellement la fille de Feu-Regol a voyagé dans. Non, ils ont donné mon rôle dans la maîtrise, dans mon thé, donc je ne suis pas raconté de salade. Je ne sais pas. Voilà. Roger Nandou, Bissonion Sotoye Baki, vraiment que. Cette année et l'année passée, pardon, parce que c'est quand on est en 2020, Bisson Stoyeba qui est sorti à balle de match et rien qu'il est là en 2019. Parce que Papa Chéri, Abane Koloba, aussi longtemps le 31, Naneko quitté, Bozala vraiment, vraiment sûr que cette année, Nakobimisa, album Nanga balle de match. Et du coup, on n'a pas compris avortement. Voilà, avortement brusque, Boé. Et limité sans suite, mais sinon il y avait déjà bandé mon sur filé na ba YouTube et bandé déjà kobé tatoué ben déjà que ma camion chez ça parce que maintenant ma camion chez ça qui prêt et on n'a pas compris pourquoi et le running est sali réellement que balle de match et bimaté voilà ils ont dépendre de son abissoté, ça c'était notre souci néomongo outre le bango déjà na ba YouTube ba extrême sur ce qu'on a déjà collé cas même la télévision l'abisson nationale awa ouais. Monaki Bextré et Zoleka. Donc, rien que Bextré, on a fausse les dire. Et paralysé le monde entier. Donc, Bextré, il y a bonne musique éparpillée à travers le monde. Babi, Papa Chéri, on a compris pourquoi tu as traîné, pourquoi tu as consommé tout ce temps. Au tali, niveau, il y a un thème. Il y a un zébo senti, pendant que non, l'artiste a travaillé. Au tali, niveau, il y a chant. Ça, c'est un acquis. On ne sait même plus parler de ça. Au tali accoutrement parce que et comment on compte déjà outil de travail mougo et accompagnaka misala artiste même sur la chanson que la chanson ils ont deux chansons sous la bossa ni titre mais la chanson que Jibem Piana et Mbeli Abeda Show malgré que tout le monde n'a pas extrait kaka biso tout qui vraiment vraiment impatient il y a Romona Zembuwa non entière parce qu'on a vu les clips. J'ai jamais vu dans la rumba, je ne sais pas où elle est brésilienne, en train de danser et tout. Donc tout le monde, maintenant, c'est la main. Là, je dirais que Papa Chéri, encore une fois, déçu son public. Non, même pas, même pas. Pas de Baléli, mais... Même pas. On va attendre encore 10 ans. Même pas, les vrais vrais de Papa Chéri, on t'applaudit. Bah, mon pénal, des niveaux atteignés, on sentait pénal que l'artiste a mis le paquet. Donc, à chaque gold naé, azo swapé, azo long, la bena tenue, ça bena na page pour faire plaisir aux beaux yeux. Il y a ma fan naé au tel niveau de clip, tu sens vraiment que il y a eu un paquet qui a été mis en jeu. Pour ça, c'est ça un artiste. Bilo Renio, il faut la raccompagner. Bref, c'est un grand travail que mon artiste a battu pour l'album Balle de Match. Contrairement à la leader Monsieur Zarabon. C'est l'album du groupe I Don't Care. Donc, Yepena s'est concentré, d'autant plus qu'il a chopé quelques chansons pour rendre encore l'album costaud. Album Essili, Essili. Papa Chéri, Anytime Nerdo Kende France, voilà, c'est pour la réalisation de ces clips, tout et tout et tout. C'est maintenant au producteur de lancer le plus. Bon, nous, notre souci était de lancer ça au mois de décembre. Mais bon, nous, on a vendu le produit. Le producteur, dans le prochain jour, nous avons déjà déjà. Donc, jusque-là, on garde l'anonymat. Ma camion se commune en haut, prêt. Ma femme, il y a Papa Chéri, il y a Bazana Bango, il y a Ossepela. En tout cas, Roger Nandou, ma femme, Papa Chéri, Bazana Ossepela, on ne refuse pas. Et ça, il y a une rumeur sur qu'il y a des réseaux sociaux. Il y a eu des vidéos aussi, Leka et Bélé. Il y a un pasteur, hein, il y a un pasteur, comme on a vraiment Kiminga. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un pasteur, il y a un Kim, mais il y a un Leka à la télévision. Il y a ceux qui l'ont dit, Papa Chéri, il y a un bal de match, ou chemin de fer, Papa Chéri, à Kokoufa. Ce qu'on dit aux autres, c'est que ton dimana, il y a une rumeur en gros parce qu'ils ont profité ne sont pas les cas de la télévision. Alors que Papa Chéri a coquille Kobimisa, album, parce que ceux qui ont mis Kobimisa, album, a aussi Kabusso. C'est que ton dit, mais la rumeur, voilà. C'est du n'importe quoi. Ma vie n'a plus à la Maboko et Nzambe. Papa Chéri a toujours prôné pour son sponsor légal qui est son Dieu Jéhovah. L'Iwa, ça arrive à tout le monde. Mais seul Dieu n'aïe Baka pour mettre à temps la circonstance. Eh bien, qui est honnête, c'est bon, c'est son jour. Après, ça sera Roger, après, ça sera Papingano, le New Rich. Après, ça sera Albert Mabella, par exemple. Donc, c'est seul Dieu. Papa Chéri Biloko, il ne calcule pas. Il ne calcule pas si cela est vrai. Il n'y a pas de souci. La mort, il y a la rabissonne sous.
Et là, les lois nature en fait, mais nous on ne calcule pas ça d'autant plus que la vie de mon produit, la vie de mon patron, la vie de mon artiste dépend à Dieu. Ils ont tout à l'heure, qui est un bon matin pour dire ce que Bimi c'est le bon matin, parce qu'il y a Zanang. C'est du n'importe quoi. Roger Ngandou, vous ne trouvez pas que Bato va pêcher un bon mot? On a rien mais la peut-être basi na bango bandier mo bafuta bambongo basi peignaté par rapport il y a durée album et oumini makasi. Tu trouves pas que ces gens là s'impatientent un peu? Ben ils savent que nous faisons du bon travail, obimi simbongo na yo au peu sinde ba jeli qui ti ma fait ça va pêcher ça Roger Ngandou nde ba Tony le kabongo kabongo ba pêcher nde ba voilà ba te belé ba pêcher ça sur bambongo après ouyembele ba blabla. Je ne suis pas allé nulle part, à la barre à cité, je ne suis pas allé à la boîte non plus. Au moins, je suis allé à la boîte dans la fenêtre. Donc, je suis vraiment allé à la plus de parce que s'il faut parler en matière d'argent, je ne suis pas allé à la musique parce qu'il est multimillionnaire. Donc, je ne suis pas allé. Mais lui, c'est plus l'art. C'est l'art qui prime. Il faut aussi la paix de mon temps. Nzembo to yembeli ba élégance. Tu vois, on sentit que mutazo yemba nzembo na amour. Tout le monde ba artiste belé ba yembeli yembeli. Mais tu sens que tant bazo flasher à papa chéri, ça fait bouger tout le monde. Na yemoko kolom nzembo zo sepela na famille na yo sepela. C'est pour dire que ba yembelo nzembo non pas pour l'argent mais dans l'album Balle de match, vous avez aussi un titre élégance. Yeah. Mais ça titre nzembo ezala déjà. Ezala ouais. Je crois que Kofi Olomide Moi, je parle de notre groupe okay. Et de la chanson que mon boss a dédiée. C'est le même titre. C'est le nom de la personne. Okay. C'est une grande dame de la capitale. Au papa Chéra Yembele, mais sur Yokinzembu, au papa Chéra Yembele, tu sens Kayembele avec amour. Et non, aux Zimbong Amuto, Yembi Kaka, Po Yemba Kaka, au Futa Nyongoana, non. Il y a par amour, il y a un érotique à des années, il y a un thème, malgré que ce soit un thème, tu es dit que la masse en même temps. Donc même il y a une élégance, place à ça, comprendre que voilà l'artiste qui a bien chanté pour moi, qui m'a vraiment immortalisé comme il faut. Oh, il y a une vraie valeur, il y a un bien. Voilà quoi. Voilà, Roger Ngandou. Ma musicien basé déjà à Kinshasa, tu basé à Turquie. Ma musicien bah voyage à Guité. Ah, okay. Bah voyage à Guité, c'était prévu tout qu'on est le vendredi à 23h. Faut tout comme le lendemain et puis la pour tout qu'un concert, personne n'a bougé. Personne n'a bougé sauf papa chéri qui devait traverser de la France, quitter la France où il est en train de réaliser les clips pour la Turquie. Mais comme concert on a qui a voté, il a qui directement à Kinshasa pour consoler frère Naïe, le président Werenson. Où épouse naïe maman Sidéji, même pas tante et copère de maman naïe. Donc papa chéri a été quoi assister Bango. Du coup, en passant, papa chéri et son groupe toujours présenté ma condoléance à monsieur les plus attristés. La famille biologique, il y a maman Sidéji, même pas ta. Le président Werenson, ou la frère, il y a papa chéri, et puis la Baptiste, Mobimbo en général, parce que Isaka Moko et Zubisonios, tout quoi. En tout cas, Roger Ngandou, réaction de Bino Zaki Nini, le fait de voir les photos, vous êtes bien au moins ouvert, vous avez été sur place, le jour à matin, il y a la maman de maman Sidéji. Le fait de voir Héritier Watana desserrer le bras de son père, maman de la musique, oui. Et ça qui est venu en mais c'est bien, c'est. Ils ont droit, il y a président Werenson, c'est le papa d'Héritier Watana. Mais bien sûr qu'Héritier a commencé par chez nous. Il était trop jeune, moi je le voyais à Isbaï. Et pas papa chéri, donc, il était trop c'est jeune. Produit. Oui, c'est notre produit. Ah, okay. Il était trop jeune, il a commencé chez nous. Nous avons payé tout là, son pas papa chéri. Nous avons payé tout là, à côté de la piscine, tout et tout. Après, ayez au âge, il avait décidé de partir là-bas. Mais voilà, papa, où est son papa naïe. C'est tout à fait normal qu'il est bon. Voilà, na Kamoko il y a décès. Ton Kaya Mawa. Héritier puisse se présenter, à présenter ma condoléance à na papa naïe. C'est okay. Tout à fait normal. Je te trouve en haut, et ça normal. Et d'ailleurs, Barty, c'est Nios tout. Babima, moi, je ne veux pas te dire, c'est ma cousine interne. Oh, Babima, pas président Werenson. Papa Chéra conseiller Bango, toujours, basalaka bien. Na papa na Bango, place Bauta. Et puis, anytime, si occasion, il s'agit de président Werenson.
bana basi bakoli baza artiste au lelope baza na public na bango derrière baza pe na ba foyer na bango baza responsable et voilà azwa ka bango pe en considération parce que ne ba do mona le fait de voir JBM Piana, un concert et tout. Tout le monde a présence, il y a Héritier, tout le monde a présence, il y a Ferregola. Et bien, tout le monde a le barail. Tu sais que c'est ça, ils ont présence, JBM, tu encourages à Bango, base à la Bongo, base à la Tétu, base à la Boé, va reconnaître papa dans la Bangoté. Pour tout le monde, JBM Piana, il y a plus de musiciens et de Ronson, Pembe, Ninaye, que de musiciens et de Balongo. Papa chéri, tout le monde a musique, Pembe, c'est un monsieur qui a bien grandi. Il a reçu une très bonne éducation de maman Agnès Lusambo et de papa Piana. A Koli na Onde Mwana. Azam Mise Mouaga Jaloute, on vit à raté. C'est le seul aujourd'hui s'il faut tirer la couverture de notre côté. Où ils appellent que jeune temps, ba bimaka, à l'ekaka tout haut, na ba média applaudir. Ba na pe ba ouvanda, ba zo comprendre, ne pe ki. Oh, penda za, monsieur, oh, il faut tout vivre na yé. C'est un monsieur qui nous reconnaît. Aganazou Wate, si on a un souci, à prodigal, soit conseil, soit on a un souci financier, anytime, il n'hésite pas, malgré que tu es ailleurs, tout évolue dans le groupe. Il faut comprendre, voilà pourquoi il y a un verre. Ce n'est pas papa chéri qui cherche à ce que ce jeune vienne vers lui. Non, c'est les jeunes qui ont compris qu'il est humain, il a un cœur, et puis Ava. Artiste moko okoko vivre naye et puis on s'épanouir sans souci. Ya omoni bayaka na jamais ko kotinda bango bo mankaka ba président labino place bouti respect parce que soka sali yango yepe bana naye soki ba 15 jours ailleurs ba manquer pe respect il va pas aimer bisopé ba poulet naye on va pas apprécier donc il le fait jamais au contraire attira bango matoyi bazalaka respect bazalaka reconnaissant na ba patron na bango là où ba utaka mais à cinq rappel na ba patron na bango bah ba rappel que voilà artiste on peut ba évoluer la moindre chose c'est reconnaître et applaudir ça ne coûte rien mais au moins étant bazo place bazo uta wana voilà bazo nier existence na bango bazo reconnaître bango te bango peut ba monter là oh mais puis ce que tu as dit na groupe wana on avait apporté une pierre na construction carrière ya groupe wana on reconnaît pas quelque part ça fait rebeller. Mais papa chéri, ta misère, on toujours peut prodiguer. Des fois aussi, ça dérange le leader sous place pour dire bon, vas-y, comment papa chéri a croyé, surtout respecter les jeunes talents. Bien sûr, on n'est pas dans ce qu'il est en train de leur entêter. Or, c'est la réalité du jour. Et ça, c'est le côté. Il suffit qu'à s'humilier, au monde qui est bon, il n'y a rien. Il n'y a rien, au monde un peu qu'il n'y a rien. Voilà, Roger Ngandou. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, Roger Ngandou a du mal maintenant avec les Kanaba Media. Même à la télévision, ça fait déjà plus de trois mois. Ouais. Exact. Roger a les Kanaba Media. Et malgré la fois passée, on avait parlé de Makambu, la nomination et la trophée au Zoua qui est le meilleur porte-parole. Et bon, les gens, Bandela un peu, qui expliquaient Bissot comment c'était passé parce qu'il n'y avait presque personne. Tozu peut imaginer. Qu'est-ce qui s'était passé, comment c'était passé, et on était vraiment curieux de voir les discours de Roger Ngandou. Après qu'il ait commencé sa média, apparemment Roger Ngandou ne fait plus partie du média et il devait postuler aussi, à postuler, toujours comprendre, Roger Ngandou ne veut plus continuer à travailler pour Papa Chéri comme porte-parole. Roger Ngandou compte faire autre chose à part ma Kamounaé à musique ou comment? Je suis toujours à côté de Papa Chéri, je travaille toujours pour lui. Sauf que nous avons exercé ce qui fonctionne en Haï auprès de mon boss. Nous avons anytime, nous avons 5 fonctions au sein de mon groupe. Donc ce qui je préfère mieux, la salle la norme fonctionne en auprès de mon boss. Il y a mon adjoint qui est là pour passer chaque week-end, couper sa programme ya groupe s'il y a un événement. Pourquoi ne pas passer comme ce dimanche, j'étais chez Mamie Inela. Pourquoi? Parce que notre concert de Turquie a été avorté. Il fallait présenter les excuses de la part de Papa Chéri, expliquer la mélomane, la bonne musique, qui est inquiet. Pourquoi on n'a pas joué? Et puis le 14,
tourbeta bon na champagne bar na compte ya na cadre ya Saint-Valentin. Donc c'est vraiment un événement pour les amoureux et qu'il fallait annoncer. J'étais là. Donc après, je me suis éclipsé. Yo yo le lobengai. Malgré que j'aime plus trop voilà, interview YouTube. Mais toi, tu es différent des autres en fait. Donc je n'hésite pas quand tu m'appelles. Tout ça, l'interview, bref, je suis toujours à côté de Papa Chéri, je suis toujours l'ami des médias, mais sauf que ça ne sera plus comme c'était avant, anytime, anytime, anytime. Quand c'est important, je serai toujours présent, mais à côté, je suis dans l'administration, je suis occupé de ma fonction, c'est beaucoup de travail aussi. À côté de Papa Chéri, je suis là. Par rapport à Trophée, dans l'aïe, je n'ai pas voulu faire trop de bruit parce que. Voilà, son amour à l'obélé, on te mouta au la place dans Gazaté. Moi, je trouve que franchement, j'ai mérité. J'ai mérité ça. Et ça, c'est naturel. Pourquoi faire du bruit? Pourquoi faire du bruit? Et ce n'était pas à moi d'inviter. Voilà, les journalistes, les chroniqueurs, les organisateurs, il y a Poul Malebo. Mais là, du coup, je tiens à les remercier infiniment d'avoir pensé à nous. Au moins, l'organisation, bon, elle est trop. Namboka Oyo, mais on n'a jamais pensé dans le métier, il y a ma porte-parole, on n'a jamais pensé aux porte-parole. Or, nous travaillons très dur à côté des artistes. Nous savons que porte-parole est presque mélangé dans le marketing, il y a ma groupe Nabisso. Mais on reconnaîtra Bissoté. Mais cette fois-là, au moins, on a pensé à Ojenga. J'étais très choqué, j'étais très ému, et c'est vraiment ancré dans ma mémoire, ça restera à jamais. Et je suis comme exemple parce que hier, on a reçu un Soussou, organisation Mouroyo Salam au mois d'avril. Je suis encore nominé. Moi, j'ai dit. Tu seras présent, hein? Je vais t'inviter, chérie. On ira ensemble. On ira ensemble, couplé, avec ton caméraman. Comme ça, tu seras la plus heureuse de la soirée. Donc voilà, quoi. Je suis nominé. Merci encore au moment opportun. Bon, vous voyez, c'était l'organisation. Et puis voilà, par rapport au discours, j'avais juste remercié. Mon boss, Bin Adam Motopamba, moi j'ai dit, je l'écris tout haut, c'est grâce à lui aujourd'hui je suis considéré dans la société. Parce que quand j'avais commencé ça, personne ne m'a donné la chance. Babara, celui-là, il a étudié, il fait des honneurs de ses parents, à la commune Moukalaba, musicien, personne ne comprenait ce que je faisais. Et personne n'attribuait de l'importance à ce que je faisais. Mais Papa Chéri a dit, ça marche. Il m'a donné les opportunités, il m'a donné la chance. Là, je m'agenouille à ses pieds, je fais des gros bisous. J'ai dit merci Papa Chéri de m'avoir fait confiance. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis grâce à vous. Je remercie infiniment mon Dieu Jéhovah. Grâce à lui, il m'a donné les souffles de vie de faire ce que je fais aujourd'hui. Je ne dirais pas je suis le plus saint. C'est pas parce qu'on mérite. C'est parce que Dieu veut que nous soyons vivants. Je lui remercie. Je remercie aussi ma mère, Maman Aimée Bikila. Elle me prodiguait toujours des conseils par rapport à ce que je voulais faire. Parce que pour la banne salon, on a régné. Pour tous les parents de Lemba, on a déshonoré. Pour mon père, il n'imaginait même pas que j'allais faire la musique. Pour lui, il m'a envoyé à l'université faire le droit pour qu'un jour je sois juriste quelque part. Et puis voilà. Que son âme repose en paix. Moi, je voulais bien qu'il me voie évoluer. Merci infiniment à ma famille biologique et merci à vous, la presse, parce que anytime, dans le plateau, dans le bino, vous allez accueillir, on va bien, on a couché l'information au groupe Nanga, on a couché ce que j'ai dans la tête comme intelligence. Merci infiniment. Moi, que le Roger ne veut plus. En fait, ça m'a rappelé la publication d'une amie à moi que je salue en passant, l'impératrice Kazuri. À le biboé, ouais. L'excès de disponibilité diminue la valeur. Ouais. C'est la rareté, qui crée la valeur. Donc, Roger Ngandou, à un certain moment, il était un peu trop internet. Il y avait des trucs horribles. Et maintenant, le moment sur Roger Ngandou, c'est peut-être à cause de ça que Roger Ngandou ne veut plus vraiment causer la ratrona, trop sur le média, faire des émissions sur internet. Donc c'est maintenant impossible. Et comment très difficile de faire des émissions avec Roger Ngandou. À le bibi, internet, ma fille internet, vous avez ma buzz et tout. Donc c'est peut-être à cause de ça. Et voilà, Roger Ngandou s'est fait rare.
je l'avoue. Pour augmenter sa valeur. Voilà. Je l'avoue. Aujourd'hui, Annette, comme tu as touché ces points, moi, je m'étais dit, je ne vais plus répéter ça. Mais bon, il faut se le dire, Bouza Fou et Belété, Bouza s'est distingué dans Moussalango. Moussala Internet et Baby. Moi, je me disais, anytime, quand une chroniqueuse ou un chroniqueur m'appelle pour la salle d'interview, je dis, pourquoi pas? C'est la presse, je respecte. Et ça va de notre intérêt pour coucher l'information ou la santé de mon groupe. Mais après, j'ai compris que Internet, en gros, ils ont apporté biso rien que ma bêtise. Et puis, comme qu'on diminue ma vraie valeur, même dans l'autoroute, on en a. Pourquoi? Parce qu'on est mélangé. Pourquoi? Parce qu'on est gentil. Pourquoi? Parce qu'on entretient une relation X. Alors, et comment qu'il mélange de tout. Après, c'était une bêtise. Annette reconnaît aujourd'hui que Moussala Nabino Oyo, ils ont son valeur. Moutala Boba, mamie, il est là. Bah, Virginie Manganga, bah, continue à garder standing. Bah, pourquoi? Parce que bah, professionnel, vie privée, ils ont vie privée, vie professionnelle, ils ont vie professionnelle. À la limite, bah, respecter Batou, Batou, bah, respecter Bango. Il y a un moment qui jusque là bazo garder cap na bango pour ne pas citer toi aussi Annette parce que le long en dimina sala na yo interview c'est pas pour tes beaux yeux, je sais que tu es belle mais c'est pas par rapport à ça, sinon on allait peut-être se voir en privé, on prend un verre basta cosa, mais par rapport au travail, si j'accepte de faire l'interview avec toi c'est parce que je sais qu'avec Annette il y aura pas de souci carré, c'est anytime chaque jour que je reçois les appels. Il y a monde, il y a médias, mais je ne veux plus. Je ne veux plus parce que. Et comment qu'on salir si, et puis mensonge. C'est que, et bien, dès qu'on soit là, on m'a dit, on va finir nos moutons. On va faire ça. On va faire ça. Bien. Mais tant qu'on va faire à soi mensonge pour ennuyer le caca autrui, là, il va monter ma babé. C'est ce que je n'accepte pas. Le lot partout dans le monde entier, les gens m'appellent, Roger, pourquoi tu fais ça? Roger, pourquoi ça? Roger, pour... Même à Kambouébeleza, qui on a la salle, on a été pauvre, innocent. Seulement, je me reproche, Nazalaga gentil dans le monde des médias. L'excès de gentil. Si on a, on partage. Si on a. En excès aussi. Mais voilà là, pourquoi les Français disent trop bon, trop couillon. Bako, c'est dans ma Kambou. Dans le bateau, il y a un vent dans le bango, il y a un fond salicié. Mais à cause de Makambo, et puis à faire asseoir en gros, le monde entier peut accepter en gros, quelle que soit l'explication, tu veux te justifier, les gens ne te croient plus. Alors je me suis dit, par respect, je n'ai pas le droit de répondre, je ne veux plus me justifier, n'avoir anglais, même activité dans l'élo. L'élo Koutou, je préfère travailler de bouche à l'oreille, n'avoir pas de visa, normes et tout, n'a qu'un aéroport à quai, de bouche à l'oreille, n'a pas une clientèle moko silencieuse par rapport à la bruit, nion sur la presse, où ils ont créé la merde après. Tu te rends compte que dans le monde, il y a un de vos collègues, après ça, il y a un va dire à la télé que Roger, à Zana Makala, à Mela Moutoumoko Bouembongo Boué, à Salaboué. Rien que pour déstabiliser Millennium. Or, chroniqueur, on a aidé à ça un visa. A voyager, après, à cause de ça, que beaucoup ont appris ça un visa, et ça, il y a un autre qui est à Outi, Dubaï, à Kenambokola. Par contre, il y a un autre qui a appris ça un visa. Au moins, combien Zaïre Congolais a été mamabé. Alors, je m'étais dit, basta. C'est mon Dieu qui me donne le souffle de vie. Tant que je suis bête, je suis comme il faut, avec droiture. Je suis dans l'ombre. Je préfère le faire avec beaucoup de réserve. C'est mieux que faire des bruits avec Batou Oyo, à poignarder au Nado. Donc voilà. En tout cas, Roger Ngandou, où en sommes-nous avec Millennium? Millennium, ça évolue très bien. Apparemment, il est Kangama. Il est Kangama, jamais. Il va prendre tête, ça va être très bien. Même pas. Il va viser Batou Pesa. Il va viser Batou Pesa. Il va viser 46 000 dollars dans Mboka Oyo. Mbongo, on est foutama. Et foutama dans Mboka Oyo. Na voyage à te. Oui. Il m'a beaucoup aidé. Okay. Papa chéri m'a beaucoup aidé. Merci infiniment, mon boss. Ma famille biologique m'a beaucoup aidé. Parce que, au moment où on a une campagne dans le monde,
tout haut, aux autres déclarés que bon t'as la bateau ben escroquenga, mutaw ça la calcul ou en anté, malinka yo kaga que rejoignant dans un qui convoqué na souciat, internet et panzani, beaucoup mis le bateau que anté, ils allaient qui parce que bateau balia qui est mbongo et que voilà aujourd'hui il est obligé de régler tout ça, non. Et comme il rougeait, rougeait, rougeait. Les Londres m'ont confondu, bango. Ma camion soit nécessaire là, dans le silence, parce que, bate belé, bah, sala, sala, on a la sala, gawana, m'a sou bazoa, bah, vol, m'a sou pour un 5000 dollars, qui m'a fait mboka. Mais moi, je suis resté à payer cet argent, n'a mboka, oyo. Et puis, les Londres m'ont confondu, bateau. Azo continue, continue, de langa, bah, client, oyo, bazo, za la servi. Ce qui fait que ma kelele a battu nyon souana basa. Toi a battu a battu baby que c'est un fils de témoin de Jéhovah. Il est crédible, il travaille avec papa chéri, il est toujours à Kinshasa, à Sala Moussala Naye librement. C'est que c'est un monsieur honnête. Les gens me font confiance aujourd'hui et ils sont servis. Bazozo ba visa na bango. Sauf que je préfère Millennium na fait langue sous ma kelele était na travailler na travailler mutabenga to kutani to salima sol na biso azui visa na ye azui billet na ye akay si quoi ba client na ngakute belé ezo sala muta komi Paris muta komi États-Unis muta komi Canada na na tindiona azui la ki visa rojengan yo kan ti bat ba Hollande ma kelele ba 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 chroniqueur to ba chroniqueur ba sala non atali ba preuve papable moni na muta komi les gens me font confiance. Je suis là, assis à Kinshasa, je roule tranquillement, tu es là, on est en train de faire l'émission dans la rue. Donc, moi, ça sera problématique, je ne crois pas qu'on va dans la émission, monde entier, bah, que je suis à Kinshasa, je roule tranquillement. Donc, c'est pour dire, ces gens-là, moi, je ne calcule pas, je taille mon beau bout de chemin, à l'aise, je suis avec papa chéri, c'est un grand artiste, très influent dans ce pays, financièrement fort. Il y a ma famille biologique, famille témoin de Jéhovah. Maman Angala a toujours les bons mois plats pour prier pour son enfant. Espace athée quoi. Voilà, Roger Ngandou, parlons un peu de, du programme de Wenge BCBG. Naba nouvelle, il y a Yemoko, papa chéri. Papa chéri, il va bien. Tranquille. Il évolue bien. Le seul artiste sans album sur le marché des disques. Abeta concert 100 dollars. Abeta non concert 100 dollars. Ma bakisi VIP à concert ou 200 dollars. Mais Batoubazo préfère ma foutre à 200 dollars pour baser la table juste en face de l'artiste. Et puis au tali niveau, dollars et tamboli na podium, malgré que m'ta foutu 200 dollars, tu te dis. Mais il y a certaines personnes qui ont besoin d'invitation, non? Non. Toi, ils ont besoin de coproduction, tu peux avoir d'invitation, tu tout ça maintenant caché artiste ayez vos sons baba dire toi va concert la plupart va concert non ça et bah 200 dollars ou année ils mais sont bien invitation vérifie la prochaine fois je t'invite si tu veux ou une caméra en haut ou tu en as entrée là on vend des billets tu vas voir que chez nous il n'y a pas d'invitation parce que et pas l'absence de l'invitation maturité s'il faut jouer un concert à 10 dollars à la cité on le fait à 50 dollars on le fait 100 200 dollars pourquoi on va inviter les gens bête à concert normal parce que papa chéri est très exigeant envers les producteurs. Producteur à Cascade, Bimissimbongone, Bélé, Bélé, à celle de la publicité, la Trace TV. Après, on peut sa invitation, il va gagner quoi. Donc, tu bête à faire un concert où on a laissé tomber et puis il y a un monde fou. Tu as la Turquie, pas un bateau qui était. Mais au cas ébullition, au sentir que Turquie calcinée. Bateau, il n'y a plus les hôtels. Tu es comme là, il y a un pays environnant. Donc, au Lali na Maroc, au Lali na Chypre, aux la jour à concert aux 8 vols, pour y accoter la papa chez nous. Mais sinon, en tout cas, Roger Ngandou, avec cette allure briser la confiance de genre, ça craint un peu parce que prochainement, beaucoup de bâtés concert, vous assurez votre public, tout le monde sait que Sotoye, Toya, vraiment, concert à JV est arrivé le jour avant concert, vous annulez les concerts comme ça. Ça, nous, le public. Bah, faut comprendre que ce n'est pas de notre volonté. C'est indépendamment de notre volonté parce que nous, on a annoncé ça. Tu peux essayer le protocole d'accord. Mais quand même, l'organisation, ce n'est plus nous. L'organisation a conservé ça sous biseau. Tu es comme producteur. Il faut louer ça. Il faut ça la publicité. Il faut foutre un hôtel pour nous mettre en place. Là, la biseau, parmi les seuls groupes où il y a, tu es comme Mboka Boye. Hôtel pour le musicien. Et à la tête, yoke là n'est pas tata moi c'est même non. Yoke ko luka copine moko boye oh là là. Yoke ndeko sala non. Bisoza pina hôtel papa chez un hôtel naye. VIP c'est normal, c'est le patron du groupe.
Il y a 5, 4, 6 étoiles. Le musicien aussi, il y a un hôtel, tout est réuni. Jour de concert, tout est réuni. Bus et Zubiso, direction salle, balance, et Zong Sibiso, tu grignoté, pourquoi concert? Et si tu as un moteur ou bima qui est de boîte à salle, au moins, tu as un hôtel. Nous, on est vraiment disciplinés. Mais tant que tu as un salamité, ça, c'est foutamité. Un grand artiste, le roi, papa chéri. Au déplacer dans l'orchestre, tout comme à Boué, ça les fout à mité. Publicité ma longueur était, ma femme, comme on benga papa, chez pour dire, franchement, quand ma femme, on a benga, plus besoin en hauteur, on a hauteur. Restauration, ça a assuré. Billet de retour, mon boulot, tout kende ka, poto bêta, ma femme, on a un peu, comme on a eu chabisson. Finalement, il y a l'administration qui travaille ou pas. Pour papa, chez la musicien, on a eu un. Et vous, Roger, les autres, Vekis, le chef d'orchestre Séguin, les autres, vous faites quoi? Et ça, nous salons à Bino. Donc, c'est pour dire que si les conditions étaient réunies, ça va de notre intérêt. Toi, tu es la public. Ce qui te répète, c'est pour la public, on a base à la décision, mais concerne les gens qui sont bête. Donc, ce qui est rempli, il y a un hôtel de décevoir. Il y a un concert qui concerne les 14 dans Champagne Bar, derrière Radar. Les conditions sont réunies. Toujours c'est là-bas, on ira ensemble, chérie. J'ai déjà un cadeau pour toi, hein, t'inquiète. Hein. Donc, ma condition est réunie à partir de 21h. Tu vas pour recevoir ma coupe. Il y a un massage de cœur. Pour j'entends ici, peut-être à 6h, je vais créer une danse. Ça ne sera rien que la rumba avec papa, chérie. Massage de cœur. Ma coupe a besoin de problème. Oh, bon, son ami, bon, cabouana qui. Bonjour, on a besoin de ba couple papa qui mis à quelque fête dans l'autre là. Ton maman peut à décevoir yo à quelque de l'autre côté. Problème est en monté. Bougoya peut singleton pour retrouver âme sœur. Jour wana. Ba peut bazar ba problème dans ma famille na bango. Boya papa chéri avec ses massages de cœur. Vous avez trouvé votre part makambo vous allez bientôt fêter et le 15 déjà donc à minuit une minute, c'est mon anniversaire. Oh. Je suis né le 15 février. Ok. Le 15 février, c'est mon anniversaire. Mmh. Voilà pourquoi je suis amoureux. Hein. Tout le temps, les gens me critiquent. Mais Roger, il est tout le temps entouré des filles. Voilà, donc je suis né juste après la Saint-Valentin. Ok. Voilà, merci beaucoup, Roger Ngandou. Mesdames et messieurs, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Roger Ngandou, juste une dernière question. Olympia, je crois que tu as un concert déjà, Libanambo, Kezongi, combattant Limbis et Libus au moins Singa. Tout le monde déjà, le concert de notre artiste Fally Ipupa, c'est déjà sûr et causal. Et est-ce que Papa Chéri envisage aussi un jour pas Bété sur Olympia? Parce que malgré ça, Bété en Akala, Era Bété en gros, je crois que peut-être que la génération a dit que ça va quitter. Ou ça va dire que si on a la paix, on a un peu de temps, ça va quitter. Et est-ce qu'aujourd'hui aussi, Papa Chéri compte? Il n'y a pas de temps pour que tu aies un peu. C'est un artiste, c'est un musicien, c'est normal. La salle est une salle prestigieuse. Bien sûr qu'il n'a plus rien à prouver aujourd'hui par rapport à la matière, il y a la salle. Mais bon, c'est un artiste, tant qu'il est vivant, il faut azonga. Et surtout, notre album, Nabisso. Balle de match, c'est l'album le plus entendu. Bisso déjà de nous-mêmes, on sait que l'album on est au comme il faut et au ben de la Bisso qui a contrat dans la salle. Et puis, espérons un concert à l'Olympia. Et ça, l'Olympia, c'est une salle prestigieuse, une salle mythique, on a tout. C'est toujours un souci pour nous de venir jouer pour te servir le public de la Bisso de l'autre côté. Quoi. Voilà. Donc, si notre frère Fally m'a amené l'équipe bien, c'est vraiment un souhait pour nous tous. Bravo l'artiste et au fond la Banzela. Pour la bisogno soupetoya. Papa Chérazane, Jean et l'artiste a raté qu'il fallait qu'il y ait une bande. Le goût là, il est à qui, voilà, il est qui bien, à botantiment. Non, lui, ce n'est pas le cas. Les artistes, c'est Oyo, applaudissera toujours. Ceux qui m'ont camboyé bien, artiste moi, j'ai évolué bien, m'a camboyé qui est bien. Bravo l'artiste, donc bonne chance pour Fally et Poupa. Si ça marche bien, je crois que tout le groupe congolais aussi, donc on dira merci à nos frères combattants d'avoir compris que les musiciens, bazana bango ba politicien et que l'opposition na bango ezalaki voilà un régime au bango balinga kité, mais maintenant on a en tête de notre pays un opposant, donc voilà. On estime bien
que voilà makambo wana esili et que mututu fa vaké sikoyo na ba occupation na ye malgré qu'on a été sanctionné injustement. Voilà, merci beaucoup à toi Roger Ngandou. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Grand merci à toi José Diazetti. Grand merci à toi José Diazetti. Voilà Roger Ngandou, un mot pour clôturer notre émission, un numéro de contact et les dédicaces. Ah ouais? Mon numéro de contact, mon numéro privé. Je suis plus accro à WhatsApp hein, par rapport aux appels. Je suis au 099 97420. Donc 099 97420, c'est mon numéro privé. Pour le dédicace, je salue mon jeune frère, Papi Ngandou le New Rich. Je profite de l'occasion aussi. C'est son anniversaire aussi. Donc bon anniversaire à toi, Papi Ngandou le New Rich. Le New Rich. Et puis à Jojo Ngondaïmen. À Roger ML en plein Macho Chikala. Donc je suis de cœur avec toi. L'été Sakalala, des gros bisous à toi. À Roger Nzimbu, là où se repose le cœur des bébés Nzimbu en France. Mon jeune frère Djoubek Bukassa. Et voilà, donc Coco Mukanda, CCT, Nabela, Yue Bikaka. Valérie Bessale, Bosa Penda, Ebele, des gros bisous à vous. En tout cas, Lionel Pro, prépare-toi déjà parce que tout à l'heure nous allons nous lever pour clôturer notre émission. Lionel Pro, c'est toi qui déjà que bon moment pour tout le télément. Pour te clôturer émission la biso. Voilà. Je peux t'aider là? Ah merci beaucoup, okay, merci. Avec mon téléphone. Voilà, comprenez que Roger Ngandou est très galant, ça se voit déjà. Merci bébé. Grand merci à toi Roger Ngandou de m'avoir accordé cette interview. Donc voilà quoi. Mm-hmm. Non, c'est Roger ton droit. Ngandou, yeah. On a remarqué que la fille de notre leader, Papa Chéri, à la présidence, elle travaille là-bas, pardon? Ça c'est une vie privée, ça c'est la vie familiale de Papa Chéri. Moi je ne sais pas rentrer des noms, mais c'est Papa Chéri a bien éduqué ses enfants. Batang na baïkol a bien, que ce soit ici, que ce soit en France. Si aujourd'hui la fille de Papa Chéri se retrouve en la présidence, c'est par rapport à sa tête. Elle a étudié, son père a des bonnes relations, c'est normal, mais bon, moi je ne parle pas trop de la vie privée de mon artiste, je préfère parler de mon artiste. Okay. Et puis vie privée, on a la famille, na ye. Voilà, mais bananaye, soko tali, tu n'as cité que la fille, mais Abraham, il travaille à Brazzaville, dans une société pétrolière. Donc, allez-y comprendre que ma petite va carré, ma tanga bien, ma soula bien, ma pépelle quoi. Voilà, merci beaucoup Roger Ngandou. Grand merci à toutes les personnes qui étaient branchées en ce net moment. Grand merci à mon boss Jimmy Achoki, pourquoi pas à celui qui était derrière la caméra, Lionel Pro. Grand merci à toi. Voilà, mesdames et messieurs, restez branchés sur Congo Lipanda. Grand merci surtout à celui qu'on appelle Deli Bossang et Nasweid, Papa Na Winner. Grand merci à toi pour tout. Sans oublier Bijou Beleza, patron suisse. Pourquoi pas à toi, ma sister préférée. Et félicitations à toi pour notre nouveau bébé. Félicitations à toi, Myriam Monsala. Pourquoi pas, gros bisous à ma soeur, Béni, gros bisous à toi. Moi, voilà. Je salue ta mère aussi. Hein. Voilà, maman. Maman Chituka. L'homme de mon boss. Voilà, merci beaucoup. Grand merci à celui qui était derrière la caméra, Lionel Chamala. Mesdames et messieurs, restez branchés sur Congo Lipanda. Bonne suite de programme. Bye bye. Oh, Congo Lipanda. Congo Lipanda. C'est toi, Yabana. Congo, Jimmy Achoki, Azuli Kanisi Yamala Mopona Kose Pelissa, Banambuka Congo, Congo Libango, Asali Libango.